Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette première vidéo du mois d'octobre où on va apprendre à faire des petits doodles autour du thème de l'automne. Certaines ont répondu à mon message en me faisant part de leurs souhaits, des envies de dessin. Donc on m'a parlé de renard, on m'a parlé de citrouille. J'ai eu des retours très positifs et vraiment je vous remercie pour ça parce que c'est motivant et du coup voilà, ça donne envie de se lancer à fond. La première vidéo ne sera pas la plus simple, mais j'ai choisi de répondre à une demande qui était faite, qui est de savoir faire voilà, un petit dessin pour faire un renard. Je vous propose ce renard en toute en simplicité, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'avais trouvé sur Pinterest à l'époque. Et il avait décoré le premier monthly log, enfin la première page de garde mensuelle de mon tout premier bullet journal. Vraiment, c'est quelque chose de très accessible. Vous n'avez pas besoin d'être hyper doué en dessin pour arriver à faire ce renard. Donc voilà, c'est celui-ci que je vais vous présenter. Je vais vous expliquer comment faire, vraiment pas à pas, d'abord au crayon. Et puis ensuite, on va passer au stylo et mettre la couleur. Suivez bien les étapes, mettez pause si vous avez besoin. La vidéo est en vitesse réelle, ce qui va vous permettre de suivre plus facilement aussi. Voilà, ce qui va vous permettre de suivre plus facilement la vidéo. On est en vitesse réelle. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, vous me laissez un petit commentaire et puis moi je vous réponds dès que je vois votre message. J'espère que vous allez bien voir. Je filme de nuit, donc il y a un petit peu des ombres autour de moi. Dites-moi si ça n'allait pas. Alors, pour faire ce renard, première chose, c'est de délimiter les espaces des branches, à peu près, d'accord? Donc, on fait deux traits pour matérialiser là où il y aura le branchage. Ça nous permet de savoir où arrêter notre renard, en fait. Et donc, on vient ensuite placer le corps du renard. Donc, sans être dans la précision, là, vraiment, on fait un placement à peu près. D'accord? Donc là, j'ai placé le bas du corps du renard. Donc, un premier trait un petit peu oblique et puis un autre trait plus grand. Et ensuite, on vient placer à peu près la partie orange. On est vraiment sur de l'à peu près et un tracé au crayon, ce qui nous permet de faire des modifications si c'est nécessaire après. D'accord? Donc au début, vous allez avoir peut-être des soucis sur les tailles et les perspectives. C'est pour ça que c'est important de passer au crayon gris et d'avoir éventuellement le modèle sous vos yeux. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Donc, ensuite, voilà, on vient compléter à peu près hein, le tracé. Donc, j'ai d'abord placé la fin de la zone orange. Moi, je trouve que ça m'aide de commencer par ça. Et ensuite, voilà, je viens placer à peu près, on est vraiment toujours sur de l'à peu près, la forme de la tête. D'accord? Donc, on place la fin de la zone orange. Ensuite, à peu près la forme de la tête. Jusqu'à peu près la première moitié, voilà, jusque-là. Et moi, à partir de là, je trouve que ça aide de repartir de l'autre côté pour garder les proportions. Ensuite, je rajoute les formes générales de mes oreilles, de triangle. D'accord? On est vraiment sur des formes générales pour l'instant. On n'a pas encore notre renard, il n'est pas entier. Mais on commence à retrouver déjà un petit semblant de quelque chose. Ça, voilà, on a une forme générale. Alors moi par exemple, ici il va falloir que je l'élargisse un peu, vous voyez. Par contre là c'est pas trop mal. Et puis on rajoute la petite queue. Quand même, c'est un renard. Un renard sans queue, c'est un petit peu triste. J'espère que vous suivez jusque-là. C'est vraiment la première fois que je fais un tuto de dessin. Faites-moi des retours si c'est pas clair, s'il vous plaît. Donc voilà, là j'ai ma forme générale. Certaines, ça va peut-être les aider de placer les yeux à ce niveau-là. Moi, je les placerai plus tard. Là, je vais surtout revenir sur la partie. Alors, vous ne voyez pas le modèle, mais voilà, je vais revenir sur cette partie-là, d'accord? Qu'il va falloir que je complète.
Donc, en fait, on a une forme, vous voyez ici, on a une espèce de d'arc de cercle à l'envers et après ça repart dans l'autre sens. Et là, on vient faire simplement, pour donner vie à notre renard, les petits traits. D'accord? Et on peut compléter la boucle qui ici vient jusque-là. Mon museau, il faut que je pense à creuser après le museau. Voilà. Ici, on peut venir au niveau du cou faire quelque chose de plus fluide aussi. Et ensuite, on vient rajouter les détails des oreilles. Alors, cette oreille, je la trouve trop grande, alors je vais venir la raccourcir. Vous voyez, moi, je fais vraiment aussi un dessin, ça se retravaille. Le premier coup de trait qui est parfait, même si c'est un doodle, enfin, à un moment donné, voilà, faut être lucide, c'est impossible. C'est pour ça que le crayon gris, c'est notre ami, c'est notre sauveteur, appelez-le comme vous voulez, en tout cas, il est super utile. Maintenant, on va vraiment arriver sur les détails. Là, la forme du renard, je l'ai. Hein. Si vous regardez, on le retrouve, notre renard. Donc on va pouvoir lui rajouter l'emplacement d'un des yeux et du deuxième œil. Ok. Alors ça ne me plaît pas ici, je vais juste le raccourcir, mais vous voyez après c'est à chacun de faire aussi comme il le sent. On rajoute évidemment le museau de notre renard. Et on rajoute ensuite pour finir des petits poils dans les oreilles. Alors pour les poils, pour l'instant je fais à ma vitesse, on va dire. Je vais vous montrer ensuite comment j'ai fait les petits poils. C'est vraiment, je fais un, je sais même pas comment appeler ça, mais vous voyez, je fais ces espèces de petites boules en fait qui sortent d'un petit peu dans différents sens et de différentes tailles. D'accord? C'est ça qui va me faire les poils à l'intérieur de l'oreille de mon renard. Et ensuite, la mise en couleur va vraiment faire le tout. Là, mon renard, essentiellement, je l'ai. Après, je peux venir rajouter des petits traits pour donner un petit peu de vivant à ce renard. Mais dans l'ensemble, il est fini. D'accord? Là, j'ai la base au crayon. Vous voyez que j'ai encore tous mes coups de crayon. Les premiers, qui sont pas forcément les bons, et ensuite ceux que je souhaite garder. C'est le moment maintenant de passer au stylo, au feutre et au crayon de couleur, de finaliser ce renard. Les feuillages, je vais vous montrer tout à l'heure comment les faire, mais on est vraiment sur du feuillage basique, ultra basique même. Donc vous allez voir que ça ne va pas poser de difficultés. Il semblerait que j'ai eu un souci technique et que vous n'ayez pas pu voir la mise en au crayon, au stylo de ce renard. Donc c'est pas grave, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. Si c'était pas suffisant, je retournerai cette partie de la vidéo. Ça m'embête, j'étais assez contente de ce que j'avais tourné, mais voyons. Ce sont les aléas des débutants, j'espère que vous me le pardonnerai des débutants sur les vidéos. Donc j'ai simplement repassé mes traits au stylo. J'ai choisi un stylo avec une fille de taille, une pointe, pardon, fine de taille 0,3. Vous pouvez tout à fait choisir une pointe plus épaisse. Le rendu sera simplement pas le même. Plus c'est fin, plus vous allez avoir une sensation de légèreté sur votre dessin. Mais on peut faire des contrastes très intéressants au niveau des épaisseurs. Et j'ai complété avec un stylo plus fin de taille 0,1 pour les petits poils, les détails ici qui font du relief et le feuillage. Je vous remontre comment j'ai fait le feuillage du coup. Simplement, donc on fait une branche. Et on vient rajouter des feuilles un petit peu comme une forme de goutte d'eau
soit des deux côtés, mais soit pas symétrique, soit symétrique des deux côtés. Les deux sont sympas, c'est vraiment un choix à faire, à vous de choisir ce que vous préférez. Ensuite, j'ai rajouté des petits ronds pour faire les baies. Tout simple. Et ce branchage-là, alors on va gommer ici. Ce branchage-là, je viens faire donc une branche. Ensuite, je tire des petites branches qui partent. Et puis, je fais un V un peu plus épais d'un côté que de l'autre. D'accord? Et voilà, ça me fait un branchage. On est vraiment sur quelque chose de simple et d'accessible. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement sans un matériel énorme et en vous faisant plaisir. Je suis venue colorier les yeux et le museau. Et donc, votre renard, si vous souhaitez, il peut être tout à fait terminé à ce stade-là. D'accord? On n'est pas obligé de mettre de la couleur. C'est un choix après à faire en fonction de vos styles, de votre bullet journal, de ce que vous aimez bien. Mais là, on peut arriver à la fin du bullet... pas du bullet journal, excusez-moi. À la fin du dessin du renard. Je vous fais tout de même une proposition de mise en couleur avec des crayons de couleur. Personnellement, j'utilise ceux-ci que j'ai depuis très longtemps mais qui me plaisent beaucoup. Ce sont des carandaches qui sont aquarellables. Et voilà, qui ont servi pour beaucoup. Donc je vais utiliser plusieurs couleurs que je vous présente. Je sors à la fois les couleurs pour le renard et pour les feuilles. Donc on est sur des teintes orangées avec un petit peu de vert, de rouge et de marron. Mon renard, donc je vais commencer par exemple par colorer le corps. Alors, bon, vous le savez certainement, puisque vous êtes intéressé par les dessins, c'est toujours bien de commencer par les contours des formes. Les zones un peu fines pour éviter de déborder. Donc, je colorie en direct devant vous. Sait-on jamais. Ça peut toujours donner des idées. Donc, pour l'instant, la première partie du coloriage, je la fais vraiment... j'ai presque envie de dire à l'arrache. En tout cas, je ne m'applique pas particulièrement. Je fais juste un fond. De coloriage pour qu'il y ait de la couleur partout. Pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de très recherché. Voilà, le coloriage de base étant fait, c'est là où moi j'aime bien m'amuser et où je pense que vous pouvez faire des choses intéressantes. Ça peut être intéressant d'essayer de retrouver un petit peu la forme des poils. Donc, en appuyant légèrement plus, de repasser par endroits pour faire comme des poils. En mettant peut-être plus ou moins aussi selon les endroits et dans les sens qui vous paraissent les plus logiques. Et pour compléter, parce que j'ai envie d'avoir un orange plus vif, je viens rajouter des poils avec un orange plus clair. J'espère que vous percevez bien à la vidéo les changements que ça apporte. Ouais, moi je trouve que mon renard il est tout de suite plus vif, plus voilà, plus vivant du coup aussi. Je viens prendre de l'ocre pour faire la partie centrale. Là aussi, je commence par un coloriage. Tout ce qu'il y a de plus basique. Sans appuyer particulièrement sur le crayon. Alors vraiment, voilà. Alors, un coloriage quand même qui a avec un minimum de qualité puisqu'on veut quelque chose de joli, mais on peut aller vite.
Et pareil, ensuite, si je le souhaite, je viens rajouter en appuyant un petit peu plus la forme des poils. Je complète les poils de mes oreilles avec mes dos orange que je mets l'un par-dessus l'autre. Et ça, c'est important parce que sinon, ça va faire bizarre en fait comme couleur par rapport au reste du renard. Et ensuite, je viens lui faire des oreilles un peu plus foncées. Qu'on peut faire foncer, mais sur lesquelles on peut aussi tout à fait venir rajouter du orange ou un marron plus clair. Hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez, là, je viens rajouter un peu d'orange. Voilà. Après, c'est à chacun de voir aussi ce qu'il préfère et ce qu'il a envie. Là, mon renard est terminé. Il me reste à colorier les feuilles. Alors, vous faites à peu près dans l'ordre que vous souhaitez. Là, j'ai décidé de d'abord colorier mes petites baies. Donc, c'est plutôt rapide. Je choisis de colorier toutes les baies de la même couleur, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Voilà, du coup je me rends compte que j'ai oublié la queue de mon renard. Alors je viens mélanger deux marrons pour ne pas qu'elle soit trop foncée. Et je vais remettre un des deux marrons ici parce que moi les oreilles oranges ça me plaît pas plus que ça. Mais encore une fois c'est vraiment une question de goût après, hein. C'est aussi très personnel. Pour ce qui est du coloriage des feuilles, je prends plusieurs crayons. Je peux partir sur ces nuances-là si je suis plutôt proche du printemps. Venir ajouter ces deux couleurs si je me rapproche. Je vous ai dit du printemps, pardon. Donc, plutôt ces couleurs-là si on est vraiment au tout début de l'automne, fin de l'été. Et rajouter ces deux couleurs-là si on se rapproche de l'automne. Après, c'est à chacun de choisir ce qu'il préfère. Alors moi, quand j'ai plusieurs forme comme ça à colorier de la même couleur. J'aime bien colorier par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Au hasard, hein, 10 formes d'une couleur. Puis je change de couleur et j'en refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Et je rechange. Je réfléchis pas forcément à là où je vais colorier. L'idée, c'est que ça soit réparti un peu de partout, en fait. Qu'on n'ait pas tout le rouge au même endroit, etc. C'est vraiment d'équilibrer les couleurs sur le dessin pour que ça soit le plus naturel possible, le plus fluide possible. Et voilà. Puis... ça évite d'avoir à anticiper. Oh, mais alors si je veux autant de chaque couleur, combien je vais devoir faire de feuilles de chaque couleur? Bon, bah, voilà, je prends un nombre au hasard. 4, 5, 10, et puis je refais plusieurs fois. Et puis quand j'ai fait toutes les couleurs une fois, je repasse une deuxième fois. En n'en faisant pas forcément la même quantité. Et ça me permet d'avoir quelque chose de fluide. Alors on a deux. Voilà. Et voilà, du coup, comment faire un renard tout simplement. Je rappelle, du coup, excusez-moi, je vous redis les grandes lignes. Je trace d'abord, oups, si ça ne marche pas, je trace d'abord les emplacements des feuilles. Ensuite, je viens à peu près placer le début du corps. Et puis je complète le corps, les oreilles. Et après, je
j'améliore, là j'ai besoin d'ouvrir plus, là je suis peut-être, j'ai peut-être fait un peu grand, là voilà il manque, etc. etc. D'accord? On commence par les grands traits, les grandes formes, en s'appliquant tout de même un peu plus que ce que je viens de faire là. Et voilà, on commence par les formes générales et ça nous permet d'avoir un dessin rapide et abouti. Le renard que j'ai fait donc devant vous, il est là. Le modèle que j'avais sous les yeux, c'est celui-là. J'espère que cette première vidéo vous a plu, que vous avez réussi à faire ce renard. Et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos. Et puis voilà, plein de tutoriels. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis en train de réfléchir en même temps, je crois que je vous ai tout dit. Donc à bientôt pour des prochains tutoriels.